Bien, ben ça va être un petit peu compliqué parce qu'en fait, de synthèse, moi j'ai pris des notes un peu au fur et à mesure, donc je ne vais pas vous donner quelque chose de très construit. J'espère que je ne vais rien oublier, voilà. Donc en fait, on est parti sur la thématique donc, de la place des élections présidentielles et législatives dans la stratégie de reconquête de la souveraineté. Et il est apparu d'entrée, en fait, que les deux mouvements ont une approche quand même assez différente sur cette question précise. Que pour Génération Frexit, donc il faut utiliser l'idée de ces présidentielles pour essayer de faire avancer la question du référendum en s'appuyant sur ce que proposerait éventuellement un candidat, puisqu'on n'est pas sûr, évidemment, qu'il y ait un candidat qui propose le référendum au moment des élections présidentielles. Pour la PUC, très clairement, l'idée c'est d'expliquer, donc si j'ai bien compris, hein, que les présidentielles ne sont pas la solution, mais sont le problème. Voilà. Et donc que ça se résumerait, la participation de la PUC se résumerait a priori plutôt à une espèce de forme de boycott, donc en mettant cette formule sur le tract dans l'enveloppe. Donc on est parti de là. Alors la question finalement qui se pose derrière, c'est de savoir quelle est la bonne stratégie. Est-ce que l'idée de faire avancer la reconquête de la souveraineté populaire à travers la constitution de groupe pour une constituante a plus de chances de se réaliser que de passer par la présence d'un candidat frexiteur à la présidentielle? Bon, on a vu que ce n'était pas si simple de trancher cette question. On a évoqué la question des médias qui était centrale dans l'accès à l'information et à la défense des points de vue qu'on défend. Vous m'excusez, hein, je lis les notes là vraiment parce que. Oui, c'est ça. Alors effectivement, oui, l'idée c'était peut-être qu'il était quand même possible de travailler. Donc, mais ça serait presque la conclusion, hein, en réalité, de nos échanges. Il serait possible de travailler puisque l'idée c'était d'utiliser finalement la période des élections, puisque les gens s'intéressent à la politique à ce moment-là, pour faire avancer l'une ou l'autre des deux possibilités. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison d'opposer les deux démarches. Voilà, donc on a essayé de travailler plutôt, enfin de réfléchir plutôt à de la complémentarité qu'à une opposition. Voilà, hein, vraiment grossièrement, hein, parce que là j'ai vraiment Vous avez pris des recentré notes. sur le terme souveraineté à un moment donné. Oui, mais on n'est pas rentré dans le détail de la définition du mot, en fait, hein. Y a eu quelques arguments qu'on a donnés par rapport au fait de viser la présidentielle ou de voir la constituante comme quelque chose de plus long et un petit peu indépendant, voire très indépendant. C'est quoi les arguments? En réalité, Voilà. l'idée ou la pierre d'achoppement, c'est que chacun est un petit peu persuadé que sa solution est la plus réaliste. Et bon, j'ai dans le débat essayé d'expliquer que ce qui était réaliste ou ce qui marchait, c'est ce qui avait marché en réalité. Et donc on ne pouvait pas le savoir par avance. Et donc il fallait mener les deux combats de front, qu'il n'y avait pas de raison de se fermer une des issues ou une des portes. Oui, mais il y a des tendances, des avis différents. Et qu'est-ce qui motive ces avis différents? Par exemple, pour le Frexit, pour la génération Frexit, pardon, c'est quoi les arguments de l'utiliser de la constituante dans la présidentielle? D'utiliser la constituante? Oui, la constituante et le référendum. Le référendum, voilà. Vous comprenez la question? Non. Vous attendez Oui, comment? j'aimerais mieux. Oui. Parce que vous Pour être demandez sûr de répondre comme l'effort, il faut, parce que. un effort costaud là. Bon, c'est une question de probabilité. Non, mais grosso modo, en fait, première génération Frexit veut que la constituante, l'idée de la constituante, soit présente chez un candidat, le candidat qui la remportera. Oui, D'accord. absolument. Qu'est-ce qui peut dire en opposition avec la PUC que c'est une meilleure solution pour pouvoir défendre l'idée de la constituante? C'est pas forcément une meilleure solution. C'est une solution.
Voilà. Nous, on est sur cette position-là, c'est que on veut utiliser toutes les armes qui sont à notre disposition, y compris les armes institutionnelles. Mais là, je suis pas sûr de faire la synthèse. Je réponds déjà un peu à des questions. C'est un peu le souci. C'est voilà. C'est bon, Jean. Bah oui, parce que j'avais pas prévu de faire, donc c'est un peu compliqué. C'est très bien.